Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tuto avec la Everything Nice de Too Faced, donc un smokey eyes. On va passer à la base de paupières, donc celle de Urban Decay, la Eden. Je la mets partout sur ma paupière et je ferai la même chose sur la seconde paupière. Ensuite, je vais prendre donc ma palette Everything Nice et je vais prendre le Girly. C'est un joli marron avec des reflets verts. Juste une tuerie ce fard, je l'adore. Il est vraiment trop beau. Je vais le mettre en creux de paupière. C'est la même chose sur les deux yeux, hein, ça paraît évident. Et après, je vais venir estomper. Je vais prendre le Chocolate Moon, donc c'est un noir pailleté. Attention, celui-ci est vraiment très poudreux. Je pense que c'est celui qui me déçoit le plus d'ailleurs sur cette palette, mais il est très joli. Donc je le mets en coin externe de mon œil et un peu dans le creux de paupière, comme vous voyez sur la vidéo. Alors pour l'instant, bien sûr, c'est un peu brouillon, mais estompé, ça sera très joli. Je vais reprendre le Girly et je vais le mettre sur le fard à paupières noir pour lui donner ce reflet un peu vert que j'adore. Et on estompe. Ensuite, je prends le Mauve Loose. C'est un mauve très irisé que je vais mettre au centre de ma paupière mobile pour mettre un petit coup de lumière. Je vais reprendre le Girly. Donc, je pense que vous avez compris que ce fard à paupières, je l'adore. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais réutiliser le Mauve Loose que je vais mettre en point de lumière en fait pour illuminer un petit peu mon regard. Thank you.
Puis j'utilise un crayon noir de la marque Une que je mets en muqueuse inférieure. J'en mets aussi un peu dans la muqueuse supérieure pour foncer un peu plus le coin de mon œil. Je prends mon eyeliner de chez Golden Rose et je l'applique, comme vous le voyez sur la vidéo, un petit trait très joli. Vous pouvez le faire soit épais, soit fin, après ça dépend de chacun. Et ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il a une mine très fine, donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez, soit très fin, soit très épais. Je l'adore cet eyeliner. La même chose sur le deuxième œil. Alors tous les produits que j'ai utilisés seront bien sûr en barre d'information et je mettrai aussi mes produits teints si ça vous intéresse. Comme ça vous aurez tout. Je m'occupe ensuite de mes sourcils et vous allez voir que j'utilise pas un produit qui est fait pour les sourcils, j'utilise juste un fard à paupières de la palette Kiko que je vais vous présenter tout de suite. Alors je vous mettrai en barre d'informations plus de détails parce que là j'avoue que je ne sais pas comment elle s'appelle cette palette, mais je crois que c'était une édition limitée. Et comme vous voyez, moi je trouve que ça fait très bien l'affaire. Pas de besoin de dépenser plus pour mes sourcils. Après je pense que je testerai d'autres produits, mais j'adore utiliser mon fard à paupières, je trouve que ça fait le résultat attendu, le résultat que je souhaite. On va utiliser le mascara, celui-là c'est le mascara de Guerlain que j'ai en miniature. Et donc c'est le Maxi Lash, ce volume, il est génial, moi j'aime bien parce qu'il sépare bien les cils entre eux, je trouve qu'il est très intéressant ce mascara. Magie du montage, je vais mettre des faux cils et un rouge à lèvres. Voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Là c'est très prononcé sur les yeux et les lèvres, bien évidemment éclaircir les lèvres, mettre un nude. Là j'ai utilisé le Marc Jacob, donc je ne sais plus le nom, je vous le mettrai en barre d'informations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.